Alors, on peut dire aussi que ce lien entre musique et astronomie s'est fait beaucoup par le biais des diverses religions, ne serait-ce que parce que les rites religieux sont en général, voire presque toujours, accompagnés de musique et que le religieux est relié toujours au cosmique Bien et au sûr. cosmos. Déjà, pour une première raison, c'est que dans les civilisations anciennes, comment dire, les astres principaux, en particulier le Soleil, la Lune, ont été divinisés. On pense évidemment à l'Égypte antique, avec le culte du Soleil, avec le dieu Ra, hein, par exemple. Donc, évidemment, ce lien s'est fait déjà par cette première approche. Deuxième approche aussi, c'est l'intérêt pour la mythologie qu'a présenté par exemple la civilisation occidentale à la période baroque, avec beaucoup d'opéras par exemple qui font allusion à diverses mythologies grecques et romaines. Ils connaissaient Absolument. très bien la mythologie à l'époque. Or, cette mythologie est reliée au nom des planètes, puisque le nom des planètes, c'est la mythologie romaine, vient de la mythologie romaine. Mais il y a aussi un troisième biais qui me semble vraiment très très intéressant, très passionnant, c'est que les anciens, et cela sans doute dans plusieurs civilisations, ont eu l'idée que dans leur musique, dans la musique, eh bien, la musique rendait compte en fait de l'organisation du cosmos, c'était une sorte de microcosme, si on peut dire, de ce macrocosme du cosmos, et qu'elle rendait compte à la dimension humaine, donc que c'était une sorte d'image de l'organisation cosmique.